avez-vous déjà vu la map Rush en détail? Bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cet épisode numéro 9 du Avez-vous déjà vu? Aujourd'hui nous partons faire une petite partie de paintball avec notre guide qui est juste ici. Bonjour chers messieurs et bienvenue dans notre modeste installation. Oui bonjour, alors on est là pour faire du paintball. Je l'aurais pas deviné dis donc. Et ok, ça se passe comment en fait? Il faut savoir que notre terrain est divisé en plusieurs catégories avec différentes couleurs. Ah oui, et les couleurs correspondent à quoi? Elles font juste très jolies sur ce plan accroché sur ce mur. Ah d'accord, ok. Et sinon au niveau des prix, ça se passe comment? Je veux dire, c'est abordable ou quoi? Vous avez un terrain qui est louable pour 150 euros l'heure et un autre qui est louable pour 5 euros de l'heure. Ah oui, et c'est quoi qui explique cette différence de prix quand même? Parce que c'est ouf, hein. Ah ouais, en fait, il y a un terrain où il y a rien. Ah puis attention les amis, hein, se garer sur les places handicapées dans ce paintball, c'est dangereux, hein, on vous retourne la voiture, hein. Ils déconnent pas là-bas, hein, je vous jure. Et puis j'aime bien aussi les distributeurs de pansements, hein. Je connaissais les distributeurs de préservatifs, mais alors les distributeurs de pansements, c'est génial quoi. T'imagines dans la rue? Oh, je me suis fait un petit bobo. Oh, il y a un distributeur là-bas, t'inquiète, c'est bon. Ah puis, il y a un grand choix d'armes, hein. Vous pouvez avoir une rouge, une bleue ou quoi que ce soit, mais moi j'aimerais bien les mitraillettes qu'il y a à gauche. Ah non monsieur, vous n'avez pas le droit de tuer vos adversaires. Oh, c'est nul. Et on va parler aussi d'une nouvelle sorte de bille particulièrement écologique. Alors oui, effectivement, on en a marre de trouver des billes un peu partout dans la nature qui polluent. C'est un grand fléau dans le domaine d'une paintball, quoi. C'est dangereux. Alors que là, on a trouvé la bille biodégradable accélérée. Ah bah bien sûr, elle se dégrade instantanément et disparaît. C'est génial, non? Et je vous rassure aussi, c'est un gros problème qu'on avait dans cette émission, mais cette fois-ci, on a des toilettes. Oui, on a des toilettes. Petite envie? Ah, puis un truc qui fera plaisir à la femme de ménage, c'est la poubelle vide. Qu'une fois tu tapes dessus, il y a des papiers. Hein. On croyait qu'elle était vide, mais non. La femme de ménage va aussi s'arracher les cheveux. Parce que dans ce paintball, les mecs ne savent pas ranger les armes dans les casiers. Genre, les posent devant, quoi. Je veux dire, le casier, il est en face. Il y a juste à la ranger, quoi. Fou. Ah, puis les mecs, faut dire que c'est pas des flèches non plus. Hein. Regardez le terrain, comment il est dégueulasse. Les mecs, ils savent pas tirer correctement. Ils salissent tout. Ah non, nos joueurs sont des professionnels et des tireurs d'élite. Ah ouais, des tireurs d'élite. Eh ben, quand tu regardes ça, excuse-moi, le mec il a tiré sur tout le contour de la porte, mais jamais au milieu. Ah, des tireurs d'élite, vos gars, hein, des tireurs. Ce sont les meilleurs, enfin, je crois. C'est comme le mec qui a laissé fuir son pistolet, hein. Le mec il a mis de la peinture rouge tout le long, hein. C'est pas possible ça. Ah putain, ma tête. Ah, il se passe quoi là? Ah, ça fait mal. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, ça va? Ouais, ça va, on continue. Et un truc de fou aussi, sur cette map, j'ai appris que les bébés, fallait pas les jeter à la poubelle, mais plutôt les donner à quelqu'un. Hein, c'est mieux que de les mettre à la poubelle. Et puis vous voyez ce personnage à la tête complètement dégueulasse? Eh ben, tu peux jouer à Où est Charlie avec ce personnage? Bien oui, parce qu'ils te l'ont foutu partout sur la map! Il est partout, le bonhomme! Alors déjà qu'il est pas très beau, mais alors si tu le vois partout, bon, pas terrible, quoi. Et là, t'as un canapé. Attendez, ça choque personne. T'as un mec qui est venu et qui s'est dit « Oh, papa, il y a une partie de paintball, mais qu'est-ce que je suis bien sur mon canapé? Quel beau paysage, c'est génial !» Non, je dois vous avouer, en fait, c'est un complot. C'est une télé-réalité. On vous fait croire que vous jouez au paintball, mais en fait, pas du tout. Il y a des caméras qui sont situées un petit peu partout sur la map. Et en fait, vous êtes dans une grosse télé-réalité sans qu'on vous ait donné votre accord. Franchement, je trouve que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut que je m'enfuie d'ici! Et peut-être si je prenais le bus. Ah non, en fait non. Non parce que le bus en fait, il a un siège à ras du sol et il n'y a pas de pédale. Ça m'étonnerait que je démarre. Et puis tu peux m'expliquer, le mec il s'est dit quoi quand il a fait ça? Genre, oh, je vais tirer sur le plafond avec mon paintball, c'est tellement marrant. Ouais franchement, faut être débile hein. Vous avez découvert le secret, mais rendez-vous. Nous ne le répéterons pas plusieurs fois. Je m'en fous, je me casse d'ici, j'en ai rien à faire. J'ai sauté une fenêtre. C'est génial, mais on vous attrapera quand même. Ah, merde. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode numéro 9 du Avez-vous déjà vu, les amis? J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Et en tout cas, très prochainement, si on vous pose la question, il y a des trucs bizarres sur la map Rush, t'as vu? Vous pourrez dire... Maintenant, oui. Alors les amis, cette semaine, pas de choix de nouvelle map, puisque je m'étais engagé à faire la map Turbine, ce que je n'ai pas fait cette semaine, donc ça sera pour la semaine prochaine. Hein, je m'étais engagé là-dessus, donc je vous le ferai.
Mais avant toute chose, j'aimerais avoir vos avis concernant cette série. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de bon ou de mauvais concernant cette série, quelles sont les améliorations qui pourraient y être apportées. Et j'aurai une simple question vous concernant. Pensez-vous que le « avez-vous déjà vu » aurait sa place sur un autre jeu que Call of Duty? Seriez-vous prêt à regarder cette nouvelle expérience? Voilà les amis, j'espère avoir votre participation dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, peace.